Tchou, bonjour à tous et GLG, c'est celui-là. C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche. Comme toujours, plusieurs choses des petites news croustillantes, bien évidemment. Le giveaway du dimanche, ça veut dire que je tirerai au sort les gagnants des bons d'achat Amazon et on parlera de comment éventuellement présentement. L'année prochaine, vous allez pouvoir gagner plus que 10 balles par personne, puisqu'on m'a suggéré l'idée. Je me suis dit oui mais Fred, faut voir que plus c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment mieux ou est-ce que si par exemple vous il y a plus, moi je donnerais plus. Voilà, ça c'est bien. On parlera évidemment de WTS Le Retour, de la revanche, et pour l'instant les premiers retours sont plutôt bons avec un constat qui est assez euh, étonnant. Et on parlera évidemment de mon nouveau travail en Chine, enfin, de mon retour en Chine et de mon nouveau travail en Chine, puisque je vous ai teasé tout comme ça. Et normalement, il y aura les timers en bas de la description. Ça sera plutôt facile pour ceux qui veulent squeezer cette partie de giveaway. Ça ne vous intéresse pas, vous ne jouez pas, sans vous ne gagnez jamais. Alors, si vous ne jouez pas, c'est normal. Et voilà, comme ça, on attaque. Alors, pourquoi tout à l'heure j'avais. <laughs> tout à l'heure, ça marchait très bien. Euh... Fastien plus screen. Pourquoi tout à l'heure j'avais. Là, ça c'est bon, ok. Mais pourquoi tout à l'heure. Web ah peut-être parce que je les activais, d'accord. Ok, bon, bah si on fait comme ça et un tac, <laughs> bien sûr, ça marche bien en fait, ça marche plutôt bien. Allez, comme je rappelle tout, chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous de mes reviews sur GG Review, vous mettez le nom de la marque dans votre commentaire, vous participez automatiquement à mon giveaway du dimanche. C'est plutôt facile. Aujourd'hui, on a donc euh, quatre tirages au sort on a la Active 8 Pro, le laptop G Chopper, la Insta 360 versus la GoPro et la version IVC VPN de Noël. Voilà et si bah aujourd'hui pour aujourd'hui c'est trop tard vous voulez partir pour celui de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura donc le tirage des écouteurs iCo et de la tablette Oukitel RT7 Titan. Voilà. Et euh, ça sera tout puisque demain on aura les écouteurs Gravatar, Gravastar, enfin non, on aura la souris Gravastar. Euh, le 3, on aura la visite de la montre de smartwatch numéro 1. Alors c'est bien parce que le titre il est pas mal parce que c'est la marque numéro 1 euh, en Chine mais c'est vraiment la marque numéro 1. C'est la marque elle s'appelle numéro 1. Donc c'est vraiment la marque numéro un en Chine. <laughs> je veux, je, veux, je clic sans le faire exprès. <laughs> euh, et normalement dans la vidéo de God's VPN, puisque GhostVPN devait valider tout ça, tout ça, le mec est parti en vacances. Oui, vous euh, publiez pour Noël. Bah, bah Noël, le mec c'était pas prêt. Après, hein, euh, les jours de l'an, euh, le mec est parti en vacances, donc ça validera la semaine prochaine. J'ai vu que Amazing Mac a mis sa vidéo GhostVPN. Donc bon, après, euh, ça sera l'année prochaine. Et s'il veut pas, je les défonce parce que vraiment les mecs, oh. Ah et moi je suis en temps et en heure. Allez, on part aujourd'hui. La vidéo des Active 8 Pro, comme toujours. On met par exemple le tirage au sort, c'est à combien 0,257. Comme ça, je mets le timer. 0,257. Allez, c'est parti pour le giveaway. Ici, laisse un commentaire. C'est pas ça du tout. Il est au bravo. Voilà, bravo. Tu es le gagnant de notre le giveaway. Ici, la vidéo. Alors, ça, c'était pour Double WTS. On en parlera tout à l'heure. On va le mettre plutôt à la fin. Ici. Euh, tablette on est à 118 commentaires à savoir que je réponds à tous les commentaires donc ça nous fait du 55 55 euh, 5 plus 4 59 à peu près de tête ah, il est toujours été bon en maths nul <laughs> en autographe mais bon en maths là on voit bien que on n'a pas réactivé depuis un moment random point donc de 1 à 59 de 1 à 59 9, 118, 9, 50, 100, 9 et 9, 18. Très bien. Bon, est-ce que random.org il a décidé de planter le jour du 31 C'est possible, hein Et vrai, il marche pas. Merde. <laughs> random. Il n'y a pas Google random. Euh... Voilà Ça <laughs> bien planté 2 A à 59, le gagnant est le 31. Allez, c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 31, et bah ben écoute, c'est Elephone de France. Le prix est correct, beaucoup de qualité sur une tablette renforcée. Nanana. Alors je vous rappelle, si le on, moi je sors, voilà, donc on fait. Si on prend le, un commentaire qui n'a pas mis, c'est comme ça tous les dimanches, hein, je n'ai pas inventé les règles là ce matin. Si la personne n'a pas mis le nom de la marque dans son commentaire, elle ne gagne pas, on prend le commentaire suivant. Si hein, le commentaire suivant, ça va, vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche. Donc bravo, éléphant euh, de France, à vouloir euh, ramener ta science. et eh ben tu n'as pas mis, tu n'as pas gagné. Voilà. Euh, une tablette. Non, il n'a pas mis Blackview, pas du tout. Hein. Par contre, celui d'après, il a mis étrangement intéressante cette Black View. Par contre, KMG, qui est d'ailleurs YouTuber, en plus, il a gagné. Alors, ce n'est pas fait exprès, tu vois, tu n'avais pas gagné à la base, mais comme celui d'avant, il n'a pas mis Blackview dans son commentaire, il a... Ré... Il n'a pas gagné. Voilà. Donc là, c'est TMJ. Bravo. Bravo, mec. D'ailleurs, TMJ qui a une chaîne YouTube. Je vous inviterai à aller la voir si vous passez par là. Et euh... on s'en bat la tech. Non, on ne se prend pas la tech. <laughs> on s'en bat la tech. Elle est pas mal. <laughs> on s'en bat les techs. <laughs> bon, arrêtez là. Je trouvais des noms de chaîne YouTube. Moi, j'ai trouvé des noms de concept. C'était On ne se prend pas la tech. C'est ça. C'est ça. Le nom, c'était ça. Mais on s'en bat les, les tech c'est pas mal aussi. <laughs> C'est moi un vendeur. Voilà. Bon, alors Activit Pro, il a gagné. Bravo. Félicitations. J'ai bien répondu à ton commentaire. Encore une fois, TMJ, tu vas directement sur ma chaîne YouTube dans À Propos. Si tu ne trouves pas À Propos, normalement, quand il y a la description, tu cliques dessus. Ça ouvre À Propos. À la fin, il y a mon mail. Tu m'envoies un mail avec ton mail Amazon, bien évidemment. J'envoie ton mail Amazon. Amazon t'envoie le chèque cadeau. Ça marche plutôt bien. C'est facile. Bon, on s'en bat les techs devrais faire une chaîne. On en parlera dans d'autres vidéos euh, de mes chaînes secrètes. Et pourquoi en fait elle marche pas bien. Et en même temps, mais, enfin, je pensais qu'elle marchait pas bien. En fait, elle marche plutôt bien. Parce que j'avais pris les stats du mauvais sens. Euh, laptop G-Chopper. Voilà, donc là, bravo, tu es notre gagnant. Oula, je fais n'importe quoi. Contrôle c Alors, G-Chopper, on a 135... Shopper, arrête de... G' arrête de choper 135 commentaires, donc ça fait du 60 pour faire 120. Il nous reste qu'un, ça fait 7. Moi je dirais 67 et demi à peu près. Voilà, c'est 6, 12, 7, 14, c'est ça. 67 et demi. On va pas mettre 67 et demi, on va mettre 68, hein, bien évidemment. De 1 à 68 et le gagnant est le 34. On sort toujours des chiffres bien bidons. Alors 34, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Eh bien, écoute, c'est bien. Vélis, euh, comme ma Nike, j'ai chauffeur, il y a le combo. Eh bien, combo, euh, j'ai envie de dire, combo gagnant. Bravo à toi. Tac, c'est toi qui as gagné. Comme toujours, tu me fais, tu vas sur un propos, tu me fais un mail. Sinon mon mail c'est jtgeek.com, comme le nom de mon site web. Okazu. Tac, c'était bien ça. 34. Deuxième gagnant validé. Alors deux fois le pseudo, je sais pas. Tac, suivant euh, Insta360. Si on a eu un peu plus de commentaires. Et je vous dirai comment je vais vous donner plus encore l'année en 2024. Comment vous allez pouvoir m'aider à faire plus non, Comment vous allez pouvoir m'aider à vous donner plus Voilà. En gros, c'était ça le... le, le jeu. Ma, ma petite Lucette. Ma pauvre Lucette. Oh, il voyage un peu où il bon. Euh, alors, Insta360, Insta 360, il y a donc 76 commentaires, ce qui est juste de la misère. Ça nous fait 35 pour faire 70, plus 3, la moitié, 35 plus 3, 38. Jean-Pierre, le compte est bon. Il y une chance sur 38 de gagner, parce que oui, je réponds à tous les commentaires, bien compris. 21, dites 21. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 21. Un cent pour moi, ça vaut le coup. et eh ben écoute, ça vaut le coup de mettre un petit commentaire puisque tu as gagné. Bravo euh, Bravo à Niktiviris107 Alors YouTube a changé tout le délire en mettant des arrobas et des chiffres. C'est bien le modèle. Ici. Et celui d'après, c'était six Shot. Pseudo que je retrouve souvent. T'es pas passé loin de, de la victoire. Tac, ici. Nanana, nanana. Tac, Voilà. Ça c'est bon. Et ensuite, il nous reste IVC VPN. C'était bon. IVC VPN. On a fait combien de commentaires Pas beaucoup. 67. Oh, c'est la misère. Il y a des vidéos. Ah, autant là où quittel, je pense on était pas loin des 200 commentaires. Autant. Euh là un peu moins. Euh, était un peu en, on était un peu en mode Noël aussi. Hein. Pas rien à foutre. Déjà les commentaires, c'est déjà difficile. Mais... Euh, donc moi j'ai dit 67. ou la moitié de 7. 33,5. à mettre 34. Imaginons ces 34. On prend le dernier. Et bien évidemment. Euh, 25. 25. 2. 4. Complètement au 2, 4, 10, 8, 10, 12, 14. J'ai oublié le. J'ai oublié. 25. Comme le jour de Noël. Et je suis en train de penser à autre chose. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ah, 22 c'était bug. Hein 24. Et 25 25 c'est fortune euh, fortune à terre euh, bouche pas vraiment impressionné et eh ben écoute mh, pas grave c'est tu gagnes quand même pas casse-cou ici et voilà tac pour nos gagnants c'était quand même plutôt facile <tousse> Voilà, et après on aura les vidéos pour les prochaines. On est plutôt pas mal. Ici, on a répondu à tout le monde. Voilà, donc félicitations aux gagnants. Les gagnants de cette semaine sont donc KMJ, euh, Vélis, Vélis, euh, Richie. Et Fortuna, hein, on va simplifier un peu, vous n'avez qu'à mettre des pseudos moins compliqués, voilà. Si vous voulez participer pour la semaine prochaine, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo de Ico en disant Ico c'est trop bien, Ico j'aime pas, Ico c'est trop cher, Ico ce que tu veux, voilà. Et la vidéo de la tablette Oukitel RT7 Titan, pareil, encore une fois, c'est trop bien, c'est pas trop bien, mettez ce que vous voulez, l'intérêt c'est que vous mettez Oukitel dans votre commentaire, sinon c'est le commentaire suivant. Voilà, j'ai même pas vérifié que le dernier est bien mis, mais en même temps, c'est pas grave, voilà. Et ainsi se termine cette première partie. On est à combien 12.33. 12.34. Voilà, c'est le giveaway. Allez, aujourd'hui, signe donc le retour de WTS, ma chaîne de vlog. Alors, encore une fois, à la base, c'était quand j'étais en Chine. Ensuite, j'en ai fait un peu quand j'allais en vacances. Quand j'étais en Chine, j'allais en vacances à Phuket Donc, il y avait pas mal de contenu. Ensuite, quand je suis venu venir à, à Pattaya, quand je suis venu. Quand je suis venu venir. Quand je suis venu du... <laughs> à Pattaya, donc du coup, j'ai profité pour me faire pas mal de vidéos et tout, mais euh, peut-être un peu trop. Entre-temps, donc là, comme j'étais là, je faisais des vidéos euh, à Hong Kong, un peu comme ça, donc j'essayais un peu de mixer. Et maintenant que je repars en Chine, donc là, je parle mois la semaine prochaine l'année prochaine, je parle l'année prochaine. Euh, je me suis dit tiens pourquoi on n'irait pas travailler en Chine comme je le faisais et venir de temps en temps à Pattaya ou à Phuket ou n'importe où. Encore une fois c'est pas grave. L'intérêt de Pattaya c'est que je connais un peu plus, un peu mieux et faire des vidéos de mode vacances. Je me suis dit tiens on pourrait. Alors j'ai proposé à pas mal de marques, comme j'ai dans le teaser de leur dire on va faire une petite vidéo sur la Thaïlande, mais en même temps on pourrait tester vos produits, puis ça sera un peu en mode vacances, on pourrait faire un peu des road trips ou des challenges, ou du camping, parce qu on attend la réponse encore une fois de nos deux gros partenaires qui valideront s'il y aura des séquences camping euh, dans la montagne. Donc euh, beaucoup m'ont dit ça a l'air pas mal, mais on veut voir. Faites-nous voir d'abord à quoi ça ressemble ce format, et ensuite on verra si on fait ou on ne fait pas. Et non pas on va faire ça, vous voulez en être. Et les projets les peut-être, alors que là donc du coup j'en ai profité, je suis parti 1500 km en voiture électrique, je trouvais un sujet plutôt intéressant, encore une fois, la recharge. Alors, il y a le côté 1, enfin 1500 km en voiture électrique, c'est quand même relativement relou, mais c'est des trucs que j'aime bien regarder, notamment avec... Euh... On refait le Mac, mais Mac Forever qui fait des, des trips et tout comme ça. J'aime bien regarder là, comment ça se passe et tout. Donc je me dis tiens, les gens ça peut les intéresser. En plus, ben, forcément, c'est avec une BYD, donc euh, la, la moins chère actuellement disponible, la Dolphin, donc euh, ça peut être intéressant aussi. Et c'est en Thaïlande où tout le monde, il y en a beaucoup qui croient encore qu'en Thaïlande il n'y a pas d'électricité. Si, 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 il y a l'essence, l'électricité, tout ça, Internet, la 5G. Et il y a surtout des bandes de recharge. Encore une fois, on verra pourquoi moi j'ai choisi plutôt de recharger chez PEA plutôt qu'un autre par, par commodité. Mais j'aurais bien préféré recharger chez PTT. On en parlera dans les vidéos. Donc petit road trip comme ça, dont le but sera d'aller jusque chez Lolo dans sa ferme autonome. Donc là, il y aura les cinq jours, une vidéo qui sera dédiée à sa ferme autonome. Comme ça, ceux qui auront suivi un peu, ils verront comment il est au milieu des champs et qu'il n'est ni relié à l'eau, ni relié à l'électricité, et pourtant il vit très très bien, tout ça en récupérant, bien. Les canards et tout, vous allez voir, ça va être plutôt bien. Euh, voilà, donc j'ai mis, euh, j'ai fait un truc assez. Euh, voilà, j'ai mis un teaser aujourd'hui qui s'appelle les règles du jeu. Et pour voir un peu, parce que je vois que le, le, le format marche vachement bien depuis ce matin, savoir qu'on est quand même le 31, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, à la fin, pour voir, parce que moi je trouve qu'à chaque fois que je mets une vidéo, tu sais, dans euh, vidéo suivante, machin et tout, j'ai toujours un ratio de merde. Alors ça, c'est parce que... Je me suis dit, là, les mecs, on va mettre le teaser, on va dire que le prochain épisode, c'est que dimanche prochain, alors qu'en fait, non, ça sera mercredi, et on va le mettre à la fin. C'est comme ça, les mecs auront qu'à cliquer, ils pourront le voir. Ce que je peux voir, c'est que sur les 104 vues que l'intro a déjà fait depuis ce matin, il y en a déjà 21 qui ont vu la vidéo bah, de la première partie, la journée 1, la partie 1. Donc ça veut dire qu'il y a euh, 25, 20% de personnes qui ont vu à la fin qu'il y avait une bannière qui ont cliqué dessus. Ce qui prouve bien que le ratio il est pourra et que bah, très peu de personnes cliquent sur cette bannière là. J'aurais peut-être dû le dire et tout. Et si vous allez à la fin de la première vidéo. Eh ben, il y a la deuxième vidéo. Alors, le problème, c'est que l'intro, elle dure déjà 10 minutes. La première vidéo elle, dure une demi-heure et la deuxième partie de la première journée, elle dure aussi une demi-heure. Je me doute que euh, ça fait une heure et demie de vidéo aujourd'hui. bon, beaucoup n'ont pas le temps, mais voilà. Ça permet donc là pour voir un peu ce que ça va donner. Aujourd'hui, il y a l'intro avec les règles du jeu. J'explique les 150 les 1500 km, comment j'ai filmé avec les produits, comment je suis parti avec la trottinette, la valise level 8. Je suis parti avec pas le produit que j'ai déjà testé, donc ça permettra de les, de les présenter un petit peu dans la vidéo en même temps. La première journée, alors la première journée est en deux parties parce qu'il y avait 55 minutes de vidéo. Donc j'ai fait une première vidéo de 28 minutes et une deuxième d'environ, euh, je crois, autant. Donc je mettrai la première partie de la journée un mercredi et la deuxième partie de la journée un dimanche. On verra au niveau des stats. Si, miracle, miraculeux, les vidéos prennent au moins 1000 vues, on en mettra deux par semaine. Si elles ne prennent pas 1000 vues, dans ce cas, vous en aurez une par dimanche jusqu'à ce que ça marche. Là, on se donne un peu les trucs. Alors si la deuxième journée, j'ai pareil une heure, et eh ben vous aurez un dimanche et un dimanche prochain. C'est-à-dire qu'il y aura des vidéos jusqu'à fin février. Ça, c'est pour WTS. Encore une fois, ça peut être intéressant. Je 17. 17. 40. Au niveau du giveaway, je voulais reparler du giveaway, j'aimerais bien vous offrir. C'est euh, Lolo qui va prendre, me dit, ouais, mais 10 balles, ce n'est pas beaucoup. Il dit 15 ou 20 balles, là, ça commencerait à être intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est que on re... ce qui serait bien, c'est pour ceux qui mettent des commentaires, ça serait que vous alliez répondre à d'autres commentaires. Ça, c'est merveilleux pour le référencement. Je vais commencer en parler dans la prochaine vidéo en disant, si vous voulez mettre plus de commentaires. Et ben machin. Moi, je vais partir sur le principe que pour l'instant, on est environ, euh, je ne sais plus combien, je n'ai pas oublié de noter, mais une centaine, de, une cinquantaine de commentaires, comme je réponds à tous les commentaires, ça fait une 100 commentaires. Si on dépasse les 150 commentaires, c'est-à-dire qu'avec mes réponses et vos réponses, dans ce cas, les chèques cadeaux seront de 15 euros. Voilà. Et si on dépasse les 200 commentaires... C'est-à-dire, bah, si vous répondez à un commentaire, qu'en plus la personne vous répond parce qu'elle a compris un peu le principe, dans ce cas, les commentaires, ça va aller vachement vite. On va passer de 100 ou 150 commentaires à 200, 300 commentaires. Si on dépasse les 200 commentaires, tout, c'est-à-dire qu'avec mes réponses, vos réponses, les réponses des réponses, encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez mettre qu'une seule fois un commentaire, mais vous pouvez répondre aux autres. Voilà. Et bien, si on dépasse les 200 commentaires, je vous offrirai des bons d'achat de 20 euros. Voilà. Vous me direz, mais si on dépasse les 300 Alors, si on dépasse les 300, je ne vais pas vous donner un bon d'achat de 30 euros, encore une fois. Je donnerai un bon d'achat, on, on va maximiser à 20 euros, et après on complétera avec un autre bon d'achat. On part sur 10. On part sur 10 euros. Plus de 100 commentaires, 10 euros. Plus de 150 commentaires, en tout, hein, peut, vous les voyez, commentaires comme moi, 15 euros. Okay plus de 200 commentaires, 20 euros de chaque cadeau. Et ensuite, si on est plus que ça, c'est-à-dire 300 commentaires, on aura 20 plus 10. Voilà, 400 commentaires. 20 plus 20, 500 commentaires, 20 plus 20 plus 10. Vous avez compris le principe Voilà. Donc j'en je, parlerai dans la prochaine vidéo qui sera les l'épicetal euh, traduction euh, de la mort, là, comme ça, en disant, vous pouvez aller répondre aux commentaires. Pour l'instant, il y a un chèque cadeau de 10 balles, mais si on dépasse les 150, il y aura un chèque de 15. Et, et 20, et 20 plus 10, 20 plus 20, et 20 plus 20 plus 10, plus 20 plus 20 plus... 20, plus. Bon, t'as compris. <laughs> voilà. Ça sera pour le, le petit giveaway. Ça permettra de motiver à ceux qui veulent vraiment participer au jeu, parce que c'est souvent les mêmes qui gagnent, parce que c'est souvent les mêmes qui jouent et qui font l'effort le, de mettre des commentaires, soit très tôt le comme c'est Monsieur le soit comme d'autres qui reprennent un peu comme ça. Voilà. Répondez-vous entre vous et dans ce cas, forcément, il y aura encore plus de commentaires et donc il y aura encore plus de chèques cadeaux. Je pense pas qu'on atteigne les 500 commentaires. Mais pourquoi pas Parce que le, le truc, on a bien vu dans les vidéos là où les vidéos marchent le mieux, c'est quand les gens s'insultent. ne vous insultez pas, mais en fait, c'est surtout des réponses aux réponses. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire, là il y a une personne qui a répondu, après il y a une autre qui répond à ce commentaire, un autre qui répond, qui répond à ce commentaire, et c'est comme ça que les vidéos prennent, et c'est comme ça que les vidéos passent en tendance. Voilà. Et c'est peut-être encore ce qui manque. Ça veut dire que on manquait de commentaires, on commençait à y arriver. Maintenant, on est un peu mieux en commentaire, c'est bien. Mais maintenant, si vous pouvez vous répondre entre vous, et eh bien ça serait encore mieux. Voilà. Et maintenant, on attaque, il est... 20. Euh, 20.55. 20.55. Voilà. Donc, allez, le petit sujet putaclic du jour. Alors, j'avais prévu un truc sur les vidéos YouTube. Après, je voulais faire un truc sur les DIA, J'ai préparé plein, plein, plein de sujets pour les dimanches. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler plutôt de 2024 Puisque, bah, bien évidemment, vous aurez compris, en 2024, papa y retourne en Chine. Alors, vous avez vu, j'y suis retourné plusieurs fois depuis le mois d'octobre. Je suis allé, après je suis revenu en Thaïlande, après je suis reparti là-bas, là je suis revenu en Thaïlande pour passer Noël et tout, et je repars à Shenzhen la semaine prochaine jusqu'au mois de février, puisque février, jour de l'an chinois, pas trop d'intérêt de rester dans Shenzhen, il vaut mieux revenir ici, <laughs> je, repars, je repartirai là-bas pour son crâne, quand il aura son crâne ici, je repartirai. Voilà. Et euh, voilà, donc janvier, euh, Shenzhen, euh, partie de février, je viendrai en Thaïlande, bien évidemment, donc on verra où on en est au niveau des vidéos et des projets, et mars, après, ben, on retourne Shenzhen, donc je pense qu'on... Je, je vais faire peut-être des vidéos sur Shenzhen, dans, dans les endroits de Shenzhen, parce que ça peut être intéressant, par exemple, pour le dimanche. On va voir comment le format des 1500 km fonctionne. Ensuite, on va voir si l'autre projet se met en route, bien évidemment. Mais entre-temps, je pourrais vous faire des vidéos sur shenzhen Par exemple, le mettre... Je les ferai pas le dimanche, parce que je suis pas un psychopathe à ce point-là, mais quoique. Mais faire des vidéos, par exemple, aller à Chécou. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Chécou et tout. La fois je suis allé au mix et tout. Aller dans des endroits de chaîne ou le à la OG, là où là où j'avais mes hôtels et tout, euh, d'aller à l'AOG et de vous faire voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de bien et tout, voilà, pendant une, une petite vidéo d'une demi-heure, en disant voilà, à, à cet endroit-là, il y a ça, on peut trouver ça et tout, c'est pas mal. Et ça ferait des petites vidéos de Shenzhen et tout. Puis après, à chaque fois, du coup, je fais une journée quasiment, et ben à un endroit, ça ferait une vidéo pour un dimanche, ça permettrait de prendre un peu d'avance, et de mixer, surtout d'alterner entre ben, la Thaïlande en mode vacances. Shenzhen en mode euh, on verra, parce que pour l'instant on a peut-être des, peut des rendez-vous à Pékin, à Shanghai, tout ça. Enfin, peut-être que je bouge, donc peut-être que je pourrais faire des vidéos, on verra. Et de mixer un peu avec ça, à savoir que après, là, cette année, c'est sûr que j'irai au Computex. Là, il n'y a pas de souci, euh, c'est planifié déjà. Et voilà. Voilà, donc voilà un peu dans les idées. Donc il y aura plein de vidéos sur WTS. Après, euh, bah, si le rythme est bon, après, normalement, on, on devrait pouvoir enquiller au moins une par dimanche, ce qui est plutôt pas mal. Et j'essaierai de vous mettre là, de... la semaine prochaine, comme je vais aller à... un peu en mode tranquille. Je vais aller à la je vous ferai peut-être des petites, des petites vidéos short pour WTS, pour voir un peu ce que ça donne, tu vois, sur ce que je vois, ce que je fais, ce que je mange. Voilà. Je vais essayer de voir comment je peux relancer cette chaîne, puisque le rythme est un peu bien. Voilà. Et dans le sujet... C'était quoi le titre de, de ma vidéo c'était quoi la petite pute à Qu'est-ce qu'elle a mis euh, C'était quoi nanana, Youtube nanana, Dali, Changement radical. C'était pas vraiment ça. C'était quoi que j'ai mis comme titre euh, Qu'est-ce que j'ai proposé comme titre euh, J'ai trouvé un vrai travail en Chine. Euh, C'était pas ça le truc. J'ai trouvé ça mieux. Changement radical en 2015, ma vie en Chine et un vrai travail pour une marque surprenante. Voilà, donc changement radical en 2024, vous l'avez compris, je vais aller travailler depuis là-bas pour être au plus proche des marques. Euh, ma vie en Chine, bon après, certains m'auront déjà connu dans cette vie en Chine après, quand, quand je faisais la vidéo... Euh, pourquoi je me mettrais pas en plus plein écran Tac, voilà euh, certains m'auront connu, connu quand j'étais déjà à Shenzhen avec lui et qu'on vendait des téléphones. Donc beaucoup auront connu cette période-là où on faisait des lives dans la rue, on faisait des FAQ, on faisait des balades en vélo et tout. Alors là, il y en aura beaucoup, beaucoup moins de vidéos sur Shenzhen, parce qu'encore une fois, c'est pas le but, mais voilà, j'ai déjà eu une vie en Chine de 5 ans, encore une fois, là c'est un retour aux sources. Donc, est-ce que c'est un changement radical Oui et non. À la base, c'était quand même un petit peu le plan de quand je suis venu, euh, quand j'ai venu en Thaïlande. C'était de venir en Thaïlande et d'aller en Chine régulièrement pour le business. Après, il y a eu un truc que tout le monde appelait le COVIDe, de Non, pas de E, mais voilà. Vous avez compris, parce qu'il ne faut pas le dire, sinon je ne sais pas pardon les algorithmes même pas, euh, et ça a changé les données, donc voilà, mais maintenant je pense que c'est le bon moment pour y retourner et de vivre là-bas et de pouvoir, sachant comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est que à 3 heures de vol, il y a des billets d'avion entre 150 et 200 euros pour venir ici. Euh, moi je connais bien et tout ici, donc voilà, c'est quand même plutôt facile d'essayer de, de mixer les deux. Et après, euh, et un vrai travail pour une marque surprenante. Et ben ça, c'est ma partie putaclic, <laughs> Simplement, il n'y a pas de euh, non. J'ai eu pas mal d'entretiens euh, avec beaucoup de marques, euh, des marques plutôt intéressantes, des marques qui m'ont fait des oui, ce serait bien que vous veniez travailler pour nous et tout. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas eu de. Euh... Comment dire Il n'y a pas eu d'opportunité qui permette de dire, waouh ok, je ne vais pas dire, j'arrête YouTube, mais je fais ça, mais euh, le but, c'est, si je devais le faire, ça serait de dire, ouais, mais alors comment on faisait C'est un peu comme quand j'avais ma boîte et je travaillais chez Doogie. Je travaillais chez Doogie à mi-temps, ça veut dire que je ne faisais qu'une demi-journée chez Doogie et l'autre demi-journée, ben, en fait, je m'occupais de ma boîte, mais comme on avait des employés, des Français et, et des, des Chinois, ça permettait de... Et que lui gérait bien.. Euh, la boîte, ça permettait de pouvoir être là que à mi-temps et de gérer Edougui et, et eux. Donc après, il faut soit trouver une boîte en leur disant Oui, mais si vous voulez, si vous me voulez, moi et mon corps, c'est parce que, en fait, vous voulez surtout ma notoriété, mon savoir-faire. Aujourd'hui, je ne peux pas abandonner YouTube. Je suis obligé de perdurer ça pour continuer à engrainer, à rester un petit peu présent sur YouTube. Voilà parce qu'après c'est un peu le problème comme tous ceux qui sont dans un groupe qui font "Ah oh mais je, je peux pas faire tout seul." Et en fait si tu es tout seul et que tu n'as plus YouTube et le support et tout ça, et bien forcément même si tu as un savoir-faire pour faire de la vidéo et de la promotion, et ben ce n'est pas possible. Donc, il y a eu plusieurs opportunités et après j'ai fait pas mal de propositions à des marques pour essayer de de faire ça un peu en dilettante, un peu en mode freelance. Ça veut dire que je bosse pour vous, je bosse avec vous, je suis ambassadeur de votre marque, ou voilà, essayer de trouver des solutions en essayant de garder une liberté, surtout une autonomie avec YouTube, des reviews comme ça, mais en essayant un peu de se copiner avec une marque, de s'affilier. Euh de s'affilier un petit peu avec une marque pour essayer de, de s'approcher un peu plus parce qu'aujourd'hui on est un peu en freelance avec certaines marques, Alors, vous avez vu, il y a des marques avec lesquelles on travaille plus régulièrement, il y a des marques qu'on a vues il y a des marques qu'on devait voir mais qu'on voit mais qui veulent pas qu'on communique encore dessus donc on essaie... j'essaierai de trouver une solution comme ça ça se mettra peut-être en place au mois de janvier mais encore une fois, là Noël va finir les marques aussi, sachant que là Noël jour de l'an, même s'il y a le jour de l'an en Chine, tu vois, ils vont quand même le, le fêter janvier, en sachant qu'ils ils vont commencer à rattaquer janvier le boulot, en sachant que dans leur tête ils commencent déjà à débriller en pensant au jour de l'an chinois quoi. donc le mois de janvier est cramé complet, je pense pas qu'il va passer grand chose encore une fois, j'attends plusieurs réponses de marques et tout mais dont un gros partenariat qui pourrait être vachement intéressant, qui devrait beaucoup vous plaire, qui est en rapport aussi avec WTS avec l'espèce de pilote que j'ai fait et euh, avec les autres choses, mais voilà et après, bah, d'autres marques qu'on a vues notamment on parlera de la marque et des écouteurs machin qu'on a vu puis elle m'a dit oui, oui pour nous pourquoi pas et voilà et on a eu on a eu pas mal de marques qui me dit, ah mais maintenant que vous êtes là pourquoi pourquoi pas tu vois mais après il y a pourquoi pas soit pourquoi pas faire que ça c'est pas possible soit pourquoi pas essayer de faire des trucs un peu plus réguliers soit ne rien changer soit changer des trucs donc pour l'instant il est trop tôt pour en parler puisqu'il n'y a rien de fait il faudra attendre un petit peu l'année prochaine et à mon avis, il se passera pas grand-chose avant le mois de mars, comme c'est parti. Hein, voilà. Finir Noël, je rappelle janvier, février, jour de l'an chinois. Les chinois, c'est euh, jour de l'an chinois, c'est 15 jours avant, ils commencent à débrayer parce que la dernière semaine après, là, c'est mort. Et quand ils reviennent, il leur faut 15 jours pour se remettre en route, une semaine pour reprendre tous les mails de retard et une semaine pour se remettre un peu dans le bain. Donc, sachez que, voilà, janvier, février jusqu'à mi-mars, ça risque d'être un petit peu compliqué mais ça on en parlera prochainement précédemment et peut-être dimanche prochain euh, depuis la Chine. J'aime bien ce format de fait de l'enregistrer de le mettre je voulais le faire en live aujourd'hui puisque comme je suis en Thaïlande, j'ai une bonne connexion puis après je me suis dit pff, pourquoi pas après je dis bon après il va y avoir des questions puis après il y a peut-être personne ça va être tirer en longueur. Déjà que ça tire vachement en longueur mais ça permettra de faire euh, voilà, un timer et ça fait moins d'une demi-heure. Donc c'est bien. Oh, ça fait comme rime, tu vu ça? Timer, une demi-heure, timer, tout ça. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous inviterai à aller voir WTS au moins mon teaser, puisque pour l'instant, on est déjà à 107 vues. C'est marrant, je crois que j'ai je... pas changé de chaîne, donc ça devrait être encore le rafraîchir. Je rafraîchis un peu. 100... On était à 107 ce matin. 107 et 29 cons. Non, non, c'est pas ça, pas ça du tout. Fais voir si je fais ça. 107. 107 et. Ah! 107 qui ont vu la vidéo, donc euh, les règles du jeu. 21 qui ont vu la vidéo numéro 1, donc jour 1, partie 1, et 3 qui vous c'est pas possible, c'est en différé. Donc, c'est pas eux, mais ils l'ont vu en même temps. Non, là, je suis en train d'enregistrer. Personne, je suis tout seul. Là. Moi et mon ordinateur. Donc, et trois qui ont vu déjà la journée 1, partie 2. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un peu d'espoir. J'espère que j'aurai beaucoup de vos retours, tout ça, comme ça. On en parlera seulement de mes autres chaînes que je pensais qui ne marchent pas. Et en fait, parce que je pas bien compris la stratégie. Et en fait, elle marche plutôt bien. On en parlera seulement dans le sujet du dimanche. Je m'excuse pour ce sujet un peu putaclic où certains sont dit, dire Ah, ça y est, il va travailler pour. Je... Dis-toi que le titre d'avant est encore plus putaclic que ça. Mais voilà, après euh, Huawei, je n'ai pas eu de réponse de Huawei du tout. <laughs> euh, Oppo, je sais pas. Il y a pas mal de marques que j'ai contactées, d'autres non, et euh, les marques qui, avec lesquelles j'en dit oui, machin, ils n'ont pas eu de. Non, ça ne les intéressait pas. Voilà. Comme quoi, on ne peut pas intéresser tout le monde. Allez, je vous remercie de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon réveillon, avec un peu d'avance, je suis donc le premier à vous souhaiter une bonne année. En même temps, moi, dans mon pays, il est déjà 16h38. Bon, oui, je suis déjà un peu en avance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Dites-vous qu'en 2024, tout ira mieux. Non, je déconne. Mais voilà, pour moi, euh, pas mal de changements, pas mal de projets et tout. Je, vous, je ne peux pas tout vous dire, malheureusement. Il y a trop de gens qui s'en délectent. Mais vous verrez les choses arriver tout doucement. Voilà, Je vous rappelle, la dernière fois, on a fait un live. Insta Ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous rappelle, on a fait un live Instagram la dernière fois, quand j'étais à, à la l'Audi et tout. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Est -ce qu je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, on va voir. On va se laisser porter par le vent et, et attirer par la lumière. Allez, <laughs> Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je donne rendez-vous euh, bah, dimanche prochain. Sinon, demain, la vidéo de la souris Gravastar. Mercredi, la vidéo de la marque numéro 1. Peut-être la semaine prochaine, euh, Ghost VPN, s'ils sont revenus euh, de vacances. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, je vous remercie. Bravo gagnant et rendez-vous dimanche prochain.